Et bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui sur Assassin's Creed Odyssey pour la suite des aventures d'Alexios. La dernière fois qu'on s'était quitté, on avait entamé le deuxième DLC intitulé Le Sort de l'Atlantide. On avait commencé avec une mission qui s'appelait L'Héritière des Souvenirs, où on est allé à certains endroits de la map dans des tombeaux, trois tombeaux différents, avec à chaque fois Leila Hassan, afin de découvrir ce qu'il fallait pour réouvrir les portes de l'Atlantide. Aujourd'hui, on va continuer donc avec la mission Les Épreuves du Gardien, où il nous faut entrer dans la simulation de l'Élysée. Donc, d'importantes épreuves attendaient Alexios s'il voulait tenir son rôle de gardien. Le contrôle du bâton reposait sur des simulations créées par Alessia. Il suffisait à Alexios d'y entrer. Donc, la dernière fois, je me suis arrêté aux abords de l'Atlantide. Et donc, on peut voir à trois endroits les symboles qu'on a découverts. Et là, on nous demande d'entrer dans la simulation de l'Élysée. Impossible de revenir en arrière. Il faut lui faire confiance. Allez, c'est parti. Tu n'es pas à ta place ici. Oh, ça sent pas bon, ça. Bravo. Effet d'adrénaline. Les soldats issus ennemis effectuent des attaques spéciales capables de vous figer ou de réduire l'adrénaline que vous avez accumulée. C'est avec la grenade là qui m'a envoyé, ça m'a bloqué pendant quelques secondes. Ah ouais, d'accord. A dû se mettre en mode guerrier, non? Ouf, c'est chaud là. Ah, on a gagné un point d'aptitude. Tu
une statue, ça. Ah ouais. Ça, c'est fait. Sort de l'Atlantide, épisode 1, les chants de l'Elysée. Alors, on rentre dans le vif du sujet du deuxième DLC. Donc, la dernière fois, c'était bien les trois tombeaux qu'on avait fait. C'était plus un prélude, une intro du deuxième DLC, j'ai l'impression. Et là, du coup, on rentre dans le vif du sujet, dans le premier épisode. Personne n'est capable d'affronter les gardes de Perséphone. Encore moins de les battre. Dis-moi ton nom, tu seras le suivant. Je suis Hermès. Et puisque tu as en main une de mes plus belles créations, tu es un descendant de Pythagore. Je sais pourquoi tu es ici. Tu as besoin de maîtriser son pouvoir. Maintenant, qui es-tu? Le bâton m'appelle gardien. Mais tu peux m'appeler Alexios. Quel est cet endroit? Gardien, c'est un très beau nom. Et un très beau voyage t'attend. Ceci est le paradis de l'Elysée, que dirige la puissante Perséphone. L'Elysée lui a été offert par son époux Hadès. Ce splendide royaume qu'elle a modelé à son image est sa seule source de joie aux enfers. Il la tient prisonnière. Mais elle assure très bien son rôle de reine. L'Elysée, le lieu de repos des héros. Quand j'étais petit, je rêvais de le voir de mes yeux. Pourquoi Perséphone m'a-t-elle attaqué? Un dirigeant aime rarement voir soudain surgir un étranger solitaire. Qui plus est, l'apparition d'un humain en vie est assez inattendue. Je suis censé franchir des épreuves et quitter ensuite cet endroit. Il y avait un grand sceau et le bâton qui parle. Tout cela est très compliqué. Alors je vais t'expliquer. Le bâton est un présent, pas un jouet. Il peut être une clé, une arme et un moyen d'acquérir le pouvoir jusqu'à la fin des temps. Tu trouveras ici de quoi le contrôler avant qu'il ne te contrôle. Ensuite, Une porte permet de quitter l'Elysée, mais pour l'atteindre, il faut l'autorisation de Perséphone, qu'elle n'accorde jamais. Il faut que je rejoigne cette porte. Ah ben, elle changera d'avis. Qui sait, peut-être te convaincra-t-elle de rester. Ou va voir Hécate, la principale conseillère et plus proche amie de Perséphone. Ou bien, prouve ta valeur. De quelle manière? Si Perséphone a envoyé des gardes, c'est qu'elle est inquiète. On dit qu'il y a de l'agitation à l'héritage de Deucalion au sud d'ici. Pourquoi te dis-je tout ça? Tu l'as dit toi-même, c'est très compliqué. L'Elysée ressemble au paradis, mais nous avons tous nos secrets. Alors, où est Perséphone? Ne te hâte pas, laisse-lui le temps de se calmer. Quand tu voudras la voir, présente-toi à elle dans son acropole. Surplombe les champs d'Asphodèle. Ok. Qu'est-ce que tu sais sur Hécate? Tu pourrais, mais elle apprécie la solitude. Les habitants de la retraite de Ferraya, à l'est d'ici, savent peut-être où elle est. Demande-leur. Qu'est-ce qui se passe à l'héritage de Deucalion? Je devrais peut-être examiner l'héritage de Deucalion. Perséphone réagit fort aux actions. Si des troubles s'amorcent contre elle, il faut les étouffer sur le champ. Qu'est-ce que tu fais ici? Moi? Eh bien,
j'avoue que personne ne me l'avait jamais demandé, je travaille à l'ouest d'ici. C'est un modeste atelier, mais toutes les grandes choses commencent modestement, n'est-ce pas? Ok, allez, dis-moi en plus sur le bâton. Il faut que j'apprenne à l'utiliser. Trouve dans l'Elysée mes sources de pouvoir, les perceptions d'Hermès, qui vous renforceront le bâton et toi. Ensuite seulement, tu pourras aller de l'avant. Tu ne pourras pas brandir le bâton sans elle. Tu es sûr qu'il n'y a rien d'autre que tu aimerais apprendre? Non, pas pour le moment. Quand tu auras réglé tes affaires avec Perséphone, viens me voir à la foi de Minos. J'ai hâte de connaître ta progression. D'accord. Et j'ai failli oublier. Une de mes inventions est parfaite pour les humains incapables de voler. Les ailes d'Hermès. Amuse-toi bien. Changement de domaine. Le portail des domaines permet de passer rapidement d'un domaine à un autre. Il est aussi possible d'utiliser la commande XE. Oui, d'accord. Ok, alors. On avait un point d'aptitude. Ah, on a un nouveau truc. Bâton d'Hermès. Un point d'aptitude, on va le mettre où? Allez, on va compléter ça parce que voilà, on a 2 sur 3, même si j'utilise pas, c'est pas grave. On complétera tous les trucs au fur et à mesure. Alors, les quêtes. Rencontre avec ses créateurs. Aletia tenait à ce qu'Alexios, en tant que gardien, n'affronte pas seulement les difficultés de son propre monde, mais aussi l'Elysée, domaine mythique. Mais quelles épreuves pouvaient réserver à un endroit réputé être un paradis? Alors, on a Amon et combattant, perception croissante. Alors, on va commencer par Amon et combattant. Véritable chien de garde, Hermès n'aimait guère les bruits en provenance de l'héritage de Deucalion. Ayant trouvé un nouvel allié en la personne d'Alexios, il l'envoya là-bas afin d'en savoir plus. Utiliser les ailes d'Hermès, le système de téléportation. D'accord. Ça, c'est de récupérer les visions de gardien. Pour qu'Alexios et le bâton unissent leurs forces, les deux devraient tirer de l'énergie des visions du gardien. La découverte de ces sources de pouvoir dans l'Elysée améliorerait la compréhension mutuelle et unirait les connaissances d'Alexios et du bâton. Ok. Alors du coup, on a une nouvelle map. Pas très très grande. Non. Non. Alors, il faut qu'on aille là pour utiliser les ailes d'Hermès. On a des points d'interrogation. On a déjà. Ouais. On va déjà prendre pour la perception d'Icaros. Cœur de l'Elysée. Comme ça, on va pouvoir regarder un peu l'endroit dans lequel on est. Attention à pas se tromper d'ouverture. Ah, c'est magnifique. Alors, donc, portail des domaines, on a des points d'interrogation, il va sûrement falloir bien fouiller partout. Hein. Mais on va tout de suite aller vers la mission. Ah, on a une nouvelle quête encore? J'ai raté. Ah non, c'est ça. L'Elysée d'Altea. Ok, d'accord.
Bon ben, c'est parti. Alors tiens, est-ce que Icaros nous accompagne? Ouais. Est-ce qu'on a notre cheval? Ouais. Héritage de Deucalion, nouvelle région découverte. Ah ok, d'accord. Ah bah il y avait un autre ici. Alors qu'est-ce qu'on a? Aile d'Hermès. D'accord. Un nouveau point d'interrogation. Donc il y a des régions, d'accord. Ok, donc c'est en 4 régions. On va déjà aller au point d'observation histoire d'améliorer la perception d'Icaros. Elle peut pas monter. Et où? Pas monter là-dessus. À mon avis, ce deuxième DLC sera beaucoup plus long que le premier. Nouveau lieu découvert, village des morts voireux. Sera beaucoup plus long que le premier DLC, l'héritage de la première lame. Sort de l'Atlantide, ce deuxième DLC. Je pense qu'il y aura plus d'épisodes pour ce DLC. Mais c'est pas grave, hein, on n'est pas pressé non plus. On n'est pas là pour rush le jeu et le DLC. Même si j'ai envie de le finir assez rapidement le jeu. Allez, nouvelle petite vue. Voilà. Petite. Ah, il y a des gens en bas. Ah, c'est magnifique. Alors, du coup, il faut qu'on aille ici. Observatrice non découverte. Là, c'est pas des dirigeants, c'est des observateurs, observatrices. Il va y avoir beaucoup de choses à découvrir, je pense. Ici. Mmh.
Vous énervez pas. Encore descendre. Ok, on y est. Utilisez les plateformes de téléportation appelées Eldermes pour vous déplacer entre les lieux. Ok. On va se téléporter où du coup? Pour la première fois. Oh bon, on s'est téléporté juste à côté quoi, quasiment. Parler aux fauteurs de troubles de l'héritage de Deucalion. On peut même se téléporter là, ça irait plus vite, je pense encore. Ouais, c'est quasiment pareil. Ok, on y est. Tu sais que je veux quitter l'Elysée. Si tu m'aides à partir, rien ne me ferait plus plaisir. Personne ne tient à ta présence. Quand comprendras-tu que tu n'es qu'un jouet pour elle? Mais fais-toi, maman. Sois prudent, ou Perséphone te fera castrer. Oh, c'est vrai, c'est déjà fait depuis longtemps. Enfoiré. Un mortel qui veut quitter le champ de les champs de l'Elysée. Il y aurait que la mort ressentait la douleur. Je fais partie des rares infortunés à demeurer ici, tout en étant vivant. Dans ce cas part, les vivants n'ont pas leur place ici. Bah dans ce cas part. Pourquoi ne pas tu pars? J'ai essayé. Mais lorsque Perséphone désire que quelqu'un reste, il reste. Hadès fut un bon professeur. Alors c'est toi, le fauteur de troubles dont on m'a tant parlé. Adonis, pour te servir. Mais avec l'armée dont dispose Perséphone et le contrôle qu'elle exerce sur presque tout l'Elysée, je ne risque plus de faire grand mal. Et si je t'aidais? Pourquoi une personne qui a toute la vie devant elle ferait une chose pareille? J'ai affaire dans l'Elysée, je veux aider les gens. Bah, j'ai affaire dans l'Elysée. Il faut que je trouve le domaine d'Hadès. S'il faut renverser Perséphone pour fuir l'Elysée. Compte sur moi. Pourquoi ne m'as-tu pas dit tout de suite? Tu entends mon amour? Il veut se rendre dans le domaine d'Hadès. Je le trouve. À qui parle? Avec ou sans ton aide. Alors autant unir nos efforts. Écoute bien. Au sud-ouest d'ici se trouve la forteresse des trois sœurs. C'est l'une des places fortes de Perséphone. Si tu en élimines l'observatrice. Détruis les torches d'Hypnos et vole les ressources de Perséphone. Tout en évitant d'attirer l'attention de ces colosses. Alors je te ferai peut-être confiance. Ok. Qui sont les observatrices? Ce sont les servantes les plus féroces de Perséphone. Les yeux et les oreilles de l'Elysée. Leur disparition laisserait la reine sourde et aveugle. Qu'est-ce qu'une torche d'hypnose? Torche d'hypnose? Fabriquée par le dieu du sommeil, ces choses maintiennent l'esprit humain sous le contrôle de Perséphone. Pour éteindre leur flamme. Faut faire pipi dessus. Alors. Que sont les colosses? Ils me disent rien qui vaille. Mieux vaut laisser dormir les colosses. Ils protègent les observatrices. Verser le sang les réveille. Et ils n'aiment pas ça. Ok. Si tu es le fauteur de troubles, pourquoi ai-je l'impression que c'est moi qui vais tout faire? Je suis un amant, pas un combattant. Heureusement pour toi, je suis les deux.
Contrôle régional. Pour affaiblir l'emprise de Perséphone sur l'Élysée, réduisez sa mainmise sur chaque région. Tuez ou libérez des soldats Issou. Détruisez des hommages à la jeune fille de marbre, des torches d'Hypnos et des provisions. Volez le contenu de coffres de richesses élyséens. Triompher des observatrices. D'accord. Nuire au contrôle qu'exerce Perséphone à la forteresse des Trois Sœurs. Pour y parvenir, mener à bien tous les objectifs du lieu. Des flèches bien placées peuvent détruire les torches d'Hypnos. L'observatrice sera protégée par de puissants colosses. Pas peur. Du coup, faut qu'on aille ici. Eldermès, ascendant, descendante. Ah oui, ok, d'accord. Ah, on a quand même pas mal de choses. C'est bon, allez. 445 mètres. C'est parti. Faut faire tout dans la discrétion. En même temps, on est un assassin. Donc, normalement, on doit être discret. Oh là, oh là, oh là. J'ai sauté de très très haut. J'aurais peut-être pas dû sauter jusque là. Je connais pas du tout les lieux. Ah, il y a peut-être des secrets, hein, des objets assez intéressants à trouver dans les profondeurs. On sait jamais. Allez, c'est parti. Youpi. Donc on peut utiliser les ailes d'Hermès pour se téléporter d'un endroit à un autre. Mais est-ce que c'est vraiment utile? Ça va nous envoyer où si on prend... Si on prend ça, on est où là? On est là dans la face ascendante et là il y a une face descendante. Ça se trouve on va se TP juste ici quoi. Les colosses peuvent être activés en entamant un conflit à proximité ou en interagissant avec des objets spécifiques tels que les visions du gardien. Donc c'est bien ça ouais. Forteresse des Trois Sœurs. Tuer les capitaines, détruire les torches d'Hypnos, brûler des provisions, piller les trésors. Déjà, Icaros. Déjà trouvé. Une torche, un ravitaillement. Ça, c'est une autre torche. Un trésor. Ah, ah, pour l'appel des renforts, il faudra le casser. On va y aller tranquillement. Hein. Enfin, on va à droite, à gauche, on va tout droit.
aller à droite pour commencer. Ce deuxième DLC a l'air beaucoup plus intéressant que le premier. Ça ne tuerait pas direct. D'ailleurs, on flèche avant de continuer. Ce serait peut-être opportun de voilà, fabriquer les flèches qui nous manquent. On risquerait de se faire capter comme ça. Ah mince, c'est mis juste en face, lui. C'est bon, il nous a pas vu. Alors c'est ça qu'il faut qu'on détruise. Ah oui, ok, d'accord. Ouais, ils sont vénères, yo. Ok, d'accord. Ils sont vraiment vénères. Je peux pas descendre, si. Ah, il va vraiment falloir être très très discret. Hein. Après, je suis pas obligé de tous les tuer non plus. Quoi.
Bon, ces trucs-là, faut que je les crame. Ça laissera pas de traces. Essayer de la rendre un peu folle. Ce sera plus simple de la tuer, je pense, par ici. On va planquer le cadavre, hein, histoire de pas provoquer l'attention de ceux qui pourraient passer par là. Allez, les richesses, hop, c'est pour nous. Il n'a pas pris énormément de dégâts. Hein. En plus de dégâts avec ça. On voit pas bien avec la caméra là. Merde. On va aussi le planquer dans l'herbe. Ok, ça c'est bon. Une petite tyrolienne, allez c'est parti. Ça m'étonne qu'elle m'ait pas vu dans l'ombre, elle.
Hop là, un deuxième coffre. On en est où là? Il faut que j'aille par là. D'accord. On peut pas sauter comme ça là-dedans. Oh, je l'avais même pas vu. Oh, je l'avais pas vu non plus. Elle fait mal, hein. À deux flèches, elle m'a bien défoncé quand même. Oh merde, elle avait appelé les renforts ou là-bas. La reine des Amazones. Dory Colosse. Il faut la tuer discrètement, c'est ça, pour pas réveiller les colosses. Ouais, mais j'ai réveillé les colosses. Ah ouais, ils font super mal.
J'arrive à la tuer, elle. Est-ce que les deux colosses ils meurent directement? Yes, je l'ai tué. Mais les colosses, ils sont pas morts du coup. Hein. J'essaye de la tirer avec une flèche. Merde, c'est raté tout ça. Qu'une solution, c'est de retourner en arrière en prenant la tyrolienne. Fuyons. Du coup, on va repasser par le chemin normal. Qu'est-ce qu'il fait? Il reste dans le coin là-bas ou il va revenir sur ses pas? Yes! Un colosse en moins. Allez, on continue. Allez, viens, parole à toi. Au cas où, s'ils veulent rappeler des renforts.
C'est moi qui fais ce bruit. Allez, viens, 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 approche. Hop, ça c'est fait. Du coup, où on en est ? Ok, d'accord. Des provisions. La torche. Un trésor là-bas. Il devrait peut-être aller d'abord au trésor là-bas. Ouais, on va d'abord aller là-bas. Ouais, en plus ça faisait partie de ceux que je devais tuer. Ah, elle était bleue, elle. Un nouveau trésor. On reçoit des équipements qui apparemment sont meilleurs que ce qu'on a, hein. Sauf que c'est pas du légendaire. Épée des 6 sens, épée des 6 sens, ok. On va faire un peu de ménage déjà. Dague épique, forger des issues. Table de chasseresse, dague forgée, ok. Érige de Myrmidon Issou. Jambière de brute Issou. Chaussure de sentinelle Issou. Y avait encore autre chose? Inventaire. Un arc. Réflexe de précurseur, d'accord. Ok. Du coup, il nous reste un capitaine, une torche, une fois les provisions et un trésor. On fait faire un petit vol plané. Hein.
monsieur, il va dormir ou il va rester près du feu? Il reste près du feu. T'as cru me voir, mais tu m'as pas vu. Et ça c'est bon en ce qui concerne les torches. Capitaine, à mon avis c'est lui là-haut. Ah, il y en a qui vont venir par là. Ils sont vénères. Hop là, c'est moi qui t'ai enchaîné à l'arc. Attends, j'arrive. Ah, c'est un colosse. Ça lui a chatouillé la flèche. Ça lui a juste chatouillé l'oreille. Je sais pas de quoi ils sont faits les colosses, mais ouh, ils sont robustes hein. Disparition ninja. La musique derrière qui est bien épique. Voilà, bah ils sont toujours en train de me chercher, donc c'est bon.
Ok, on est bon sur les trésors, sur les torches, il nous reste qu'un capitaine à tuer. Bon, c'est sûr que c'est pas lui, mais bon. Capitaine, c'est celui-là. Là-haut. Ouais, approche-toi, approche-toi, nickel. Impeccable. On a exploré la forteresse des trois frangines. Ouh, c'est chaud quand même. Du coup, il faut que j'aille ici. Je vais d'abord aller voir quand même le point d'interrogation qu'on a derrière nous. Par là. Par simple curiosité. Youhou! C'est des ressources ça ou... Ah, il y avait des pièces. Ah mais c'est le cas. Ah oui. C'est celui-là que j'ai tué et que j'ai envoyé à Perpète quoi. Hommage à Perséphone. Détruisez des hommages à la jeune fille de marbre afin de réduire la mainmise de Perséphone sur l'Elysée. Ceci permet aussi d'absorber le pouvoir qui l'enferme. Ouh, c'est bien ça. Il n'y a personne pour protéger ça. Non. Ah bah si. Ils sont méchants les colosses. Aïe aïe aïe. Bon, je lui ai quand même fait pas mal de dégâts avec l'attaque discrète, mais... Ils sont robustes, hein. Puis ils font mal quand ils attaquent. Et tu crois que Icaros il peut le tuer? Ah non, même pas. Il a mis un coup et puis il s'est barré, quoi, c'est bon. Yes! Ah, par contre, il doit y en avoir d'autres, hein, à mon avis. Ah, il reste deux gardes. D'où est-ce que ça vient, ça ? Approche, tu verras d'où ça vient. Ah mais ça a réveillé à nouveau un colosse. Ah il est en caisse hein, le colosse. Hein. Ah il sent en marbre.
Ah, il m'a lancé un javelot, ça. Voilà, oh là. Il nous fait des kamehamehs. Ah, il y a un deuxième colosse aussi. Oh là là. C'est ça, ils sont deux. Hein. Non, il n'y en a qu'un. Merde, je me suis trompé, c'était pas ça que je voulais faire. Hop, un trésor. Les drakes. Du coup, ça faut que je le détruise. Impeccable. Ok. Du coup, il faut que je retourne voir Adonis. Donc, on a terminé la forteresse des trois sœurs. Là-bas, on a un forgeron. On a encore quelques points d'interrogation. Bah on va se TP pour aller parler à Adonis. Alors, le Mister, où est-ce qu'il est? Il est là-bas. Ah, j'ai gagné un point d'aptitude, apparemment. Ouais. Ouais, mais il faut les affecter à chaque fois, donc... Oh, on va déjà terminer. Je l'ai pas affecté non plus celle-là. On va déjà terminer les compétences qui sont dans Assassin. Donc hop. Même si je les utilise pas la plupart. Allez, c'est reparti, on va aller parler à Adonis, mission accomplie. Ouais, c'est bien ce que je me disais, il y avait quelque chose qui scintillait là. Tu me crois, maman ? Tu m'as un peu rapproché de mon amour. C'est un bon début. Qui est cet amour dont on ne cesse de parler ? La plus belle créature qui soit. Avec un visage si avenant qu'il fait oublier tous les autres. Tu as peut-être entendu parler d'elle, Aphrodite. Ah ouais, carrément. Je n'ai jamais entendu parler d'Aphrodite, tu es très poétique. Ouais, mais non, mais j'ai pas envie de draguer, moi. Désolé. Afro qui ? Très drôle. La dernière personne à l'avoir mise en colère s'est retrouvée transformée en cochon. Très bien. Et maintenant ? Pas ici. Viens à mon campement, dans les ruines de Diapetos. Attends un instant.
Perséphone a des observatrices et des torches d'hypnose dans tout l'Élysée. Pour réduire son influence, nous devons les détruire. Et pour ça, nous aurons besoin de toute l'aide possible. D'accord. Amon et combattant, quête terminée. Plusieurs quêtes acceptées. Eh ben oui, évidemment. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Du coup, c'est toujours dans les quêtes d'extension. Ouais, c'est pas des quêtes annexes. Hein, donc, alors, cheval sombre. Rejoindre l'acropole de Perséphone grâce aux ailes d'Hermès. Ah, il y a moyen d'avoir un cheval noir. Oh, ça va être magnifique ça. Enfer et contre tous. Ouh, il y a de l'armure légendaire là. Affaiblir l'emprise de Perséphone dans la retraite de Phéréa, dont l'héritage de Calion et dont la foi de Minos. Rencontrer Hécate dans la retraite de Phéréa. Ok, d'accord. Rencontrer Hécate. Et ça, c'est celle qu'on avait avant où il faut récupérer les visions. Alors, dans les champs. D'accord, donc c'est dans, ouais, c'est dans les autres régions cette quête. Ok. Donc, du coup, la suite, ce serait d'abord d'aller le rencontrer. Ouais. Bienvenue dans l'Elysée, à moins combattant. Nouveauté soudaine. Nouveauté soudaine, c'est ça qu'ils me mettent dans la liste normalement en priorité. Donc, rencontrer Hécate dans la retraite de Phéréa. La retraite de Phéréa. Donc, là-dedans, il faut que j'aille dans cette nouvelle région. Ok. Eh bien, on fera ça la prochaine fois. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo et cette première partie dans l'épisode 1, les champs de l'Elysée du DLC, le sort de l'Atlantide. Et la prochaine fois, on continuera en allant donc rencontrer Hécate dans cette région. En attendant, je vais sans doute aller découvrir... Oh, quoique non. Je sais pas. J'hésite, est-ce que je vais découvrir tous les points d'interrogation ou pas de cette région? Je sais pas. Je verrai bien. En tout cas, je m'arrête là pour cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la suite des aventures d'Alexios dans Assassin's Creed Odyssey. Sur ce, salut à tous!